Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver encore une fois sur la RTDS pour ce rendez-vous de la rédaction. La liste des candidats en lice pour les prochaines législatives est désormais connue. Elle a été rendue publique hier par la Cour constitutionnelle. Toutes les candidatures n'ont malheureusement pas été retenues pour certaines raisons que je vous propose de découvrir dans ce reportage. Il a fallu que quelques jours à la Cour constitutionnelle pour rendre publique la liste des candidats devant prendre part aux législatives du 21 juillet prochain. Sur les 1174 candidats, seules une dizaine ont été invalidés parce que ne respectant pas le code électoral. Seuls 4 arguments ont suffi à la Cour constitutionnelle pour invalider ces candidatures. Le premier point est relatif à l'âge. Le code électoral en son article 205 précise que nul ne peut être candidat s'il n'est âgé de 25 à la date des élections. 9 candidatures ont donc été enregistrées dans ce cas. La Cour constitutionnelle a donc décidé d'invalider les listes sur lesquelles sont inscrits ces candidats. Le second point est relatif aux incohérences de nom et prénom sur l'acte d'état civil. La décision de la Cour constitutionnelle a également été la même pour les candidats ne respectant pas ces articles. L'avant-dernier point sur lequel la Cour a sévi est relatif aux inéligibilités. La Cour constitutionnelle considérant que les articles 207 et 208 du Code électoral ne permettant pas à certains fonctionnaires d'État en fonction de déposer leur candidature à invalider les candidatures qui n'étaient pas conformes à ces articles. Enfin, en respectant la Constitution et la charte des partis politiques d'une part et d'autre part en considérant au terme de l'article 52 de la Constitution du 14 octobre 1992 qui stipule que chaque député est le représentant de la nation tout entière et considérant également que la Constitution en son article 7 interdit aux partis politiques et aux regroupements des partis politiques de s'identifier à une religion, à une ethnie ou à une région. La Cour constitutionnelle a également invalidé les listes ne respectant pas ces points de la Constitution. Vous connaissez tous ce tardage, 99 jours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. Eh bien, le jour du propriétaire est arrivé dans la nuit du mardi à mercredi. Deux voleurs ont été appréhendés au niveau de l'immeuble Fiata. L'un d'entre eux a été brûlé vif, comme vous pouvez le constater sur les images. Et l'autre a eu la vie sauve grâce à l'intervention des forces de l'ordre. Ils auraient, selon certains témoins, volé une moto. Toutes nos excuses pour la qualité des images. Un présumé escroc dans les mailles de la gendarmerie nationale. Ce dernier a été interpellé il y a quelques jours et présenté à la presse ce jour. Le sieur Anthony Obioma, de nationalité nigérienne, ferait partie d'une bande d'arnaqueurs. Il aurait réussi à soutirer près de 241 000 dollars à un homme d'affaires via Internet. Reportage d'Idoné Sewanou, Mathias Essessi. Il s'appelle Obioma Anthony, nationalité nigériane. Celui-ci serait le chef de file d'un réseau d'arnaqueurs via Internet. Ils auraient usé de leur génie en cybercriminalité pour soutirer d'énormes sous à un homme d'affaires basé à Dubaï, à qui ils ont proposé Lomé comme lieu de rencontre d'affaires courant mai 2013. Il est aujourd'hui devant l'objectif des caméras dans l'enceinte de la gendarmerie nationale togolaise. On assiste à une recrudescence des arnaques par Internet sur le territoire togolais. Les auteurs de ces supercheries sont en général des étrangers installés sur le territoire togolais ou domiciliés dans les pays voisins. Au cours du mois de mai 2013, le sieur Obioma Anthony, de nationalité nigériane, avec des complices actuellement en fuite, ont contacté un homme d'affaires indien pour lui proposer la vente d'aluminium et de batteries usagées pour un montant global de 500 000 dollars. L'homme d'affaires intéressé par la proposition est donc arrivé à Lomé et a pris contact donc avec ses partenaires. Il lui a été présenté une marchandise fictive, emballée et entreposée dans un magasin aménagé pour la cause. Il a été convenu qu'il verse intégralement les 500 000 dollars avant l'enlèvement de la marchandise, ce qui a été fait.
Mais au moment de livrer la marchandise, au moment d'enlever la marchandise, les partenaires, M. Obiama, Anthony et ses complices sont restés introuvables. Presque en sanglots, le présumé escroc nie les faits et clame encore son innocence. Je ne sais rien de cet argent. J'ai été juste joint par mon partenaire d'affaires. Je ne sais même pas si ces sous sont d'un blanc ou non. Selon la gendarmerie, une enquête est ouverte afin de mettre la main sur les autres membres du réseau, toujours en fuite. Rappelons que l'Internet, outre ses atouts qu'il présente à l'utilisateur, est devenu aussi un cadre par excellence des belles escroqueries. La vigilance reste alors de mise. Sa dernière visite sur le continent africain remonte à 2008. Barack Obama est attendu dans les heures qui suivent pour sa deuxième visite en Afrique. Et c'est par le Sénégal qu'il va commencer sa tournée africaine. Il se rendra par la suite en Afrique du Sud, puis en Tanzanie. Barack Obama se rend aujourd'hui au Sénégal, premier pays de sa tournée africaine. Depuis sa visite éclair au Ghana en 2009, le président américain n'avait pas foulé le sol de l'Afrique noire. Une longue absence, trop longue. S'il ne vient pas pendant son second mandat, on ne le lui pardonnera pas, avait déclaré, comme le rappelle la presse africaine, une conseillère du président sud-africain en 2012. Richard Downey est directeur adjoint du programme de l'Afrique au Centre d'études stratégiques et internationales à Washington. Je pense que dans cette période de 4 ans depuis le voyage au Ghana, les États-Unis ont perdu du terrain en Afrique, dit-il. D'autres pays, à commencer par la Chine, se sont beaucoup plus impliqués. Et les États-Unis ont perdu pendant ce temps une partie de leur influence. D'ailleurs, c'est à partir de 2009 que la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique. Les États-Unis ont tendance à voir l'Afrique comme une zone à problème qui a besoin d'aide. Mais je pense que les temps ont changé maintenant et les Africains veulent que les États-Unis actualisent leur vision de l'Afrique et la voient comme un espace d'opportunité, un endroit où on peut gagner de l'argent, où on peut faire des investissements et des affaires. Au Sénégal, Obama visitera l'île de Gorée, symbole de la traite négrière. Il se rendra ensuite en Afrique du Sud, puis en Tanzanie. Il n'ira pas au Kenya, dont son père est originaire et dont le président est poursuivi par la Cour pénale internationale. Le nom d'Obama était brandi comme un talisman en Afrique, mais la joie du continent d'avoir un président américain en partie aux origines africaines a cédé la place à la déception, souligne notre correspondant. Obama devra longuement expliquer pourquoi son administration n'a jamais développé une stratégie cohérente en Afrique. Où se cache actuellement Edward Snowden? Difficile de répondre avec certitude à cette question. Selon certaines sources, il serait toujours en transit à l'aéroport de Moscou. Les États-Unis réclament toujours son extradition alors que l'Équateur étudie sa demande d'asile. Le consultant du renseignement américain accusé d'espionnage se trouverait toujours en zone de transit à l'aéroport de Moscou. Edward Snowden est arrivé dimanche en Russie en provenance de Hong Kong. Washington réclame expressément le jeune homme de 29 ans, mais le président russe a déjà exclu toute mesure à l'encontre d'Edward Snowden. Vladimir Poutine mettant en avant l'inexistence d'accord d'extradition entre son pays et les États-Unis. Réponse de John Kerry, le secrétaire d'État américain, ici en visite en Arabie Saoudite. Il n'y a pas de traité d'extradition, mais il existe des règles de comportement entre nations souveraines. Nous aimerions simplement, a-t-il dit, demander à nos amis en Russie de respecter le fait qu'un pays partenaire, un des 5 membres permanents de l'ONU, a fait dans le cadre d'une procédure normale une demande correcte pour que la loi soit respectée. Cette affaire a déjà refroidi les relations entre Washington et Moscou, entre Washington et Pékin. Pourrait suivre des tensions entre les États-Unis et l'Équateur. Edward Snowden a demandé l'asile politique à Quito. Selon cette analyste équatorienne, les États-Unis vont certainement mettre en place une sorte de contrôle ou de sanctions économiques. Je suis certaine, dit-elle, que le gouvernement équatorien a étudié et considéré cela. Rafael Correa, le président équatorien, a en tout cas annoncé que son pays étudiait la demande d'asile d'Edward Snowden. Voilà, ainsi s'achève ce flash. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur la RTDS. Vous retrouverez à 19h Jura Wilson pour l'édition complète du soir. Au revoir.